Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez trouver la fréquence d'image d'une vidéo sur Windows. En effet, la fréquence d'image est le nombre d'images par seconde, ou frame per second, abrégé en FPS, qu'il y a dans votre fichier vidéo. Pour pouvoir trouver et afficher cette caractéristique, il vous faut déjà vous rendre à l'endroit de votre vidéo à l'aide de l'explorateur de fichiers Windows. Ensuite, lorsque vous avez trouvé votre vidéo, vous faites un clic droit dessus, puis vous allez dans Propriétés juste ici. Dans la page de propriétés qui vient de s'ouvrir, vous cliquez sur l'onglet Détails, et c'est donc ici dans la section Vidéo que vous pourrez trouver la fréquence d'image, pour ma part 30 par seconde. Maintenant, si vous souhaitez savoir comment accélérer une vidéo sur Windows facilement, je vous renvoie à la vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.